Alors l'histoire de Kif a commencé en 1944 par l'intermédiaire de M. Gallet qui a fondé cette société pour la fabrication des pare-chocs. Donc les pare-chocs ne sont pas destinés aux automobiles, mais ce sont bien des pare-chocs qui sont destinés à être introduits dans des mouvements mécaniques de montres et puis équipent la plupart des grandes manufactures horlogères. Donc Kif s'est développé autour de ce produit-là pendant, je dirais, quelques décennies, jusqu'à malheureusement la crise du quartz qui est survenue dans les années 75 et qui a mis un énorme coup de frein à cette activité-là et qui a obligé Kif à se diversifier pour trouver d'autres marchés. Et ceci a permis, je dirais, de sauver la société, mais a quand même laissé passablement de traces. Donc Kif a été par la suite intégré dans un groupe Acrotec, donc Kif a été vendu dans ce groupe en 2006. Et puis, depuis, Kif œuvre exclusivement dans le domaine de l'horlogerie et équipe à nouveau toutes les manufactures, ou en tout cas la plupart des manufactures, pour des antichocs, mais aussi pour tout autre type de composants qui peuvent se retrouver dans un mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antichoc ? C'est un petit mécanisme qui est destiné à venir protéger un axe, ce qu'on appelle l'axe de balancier. Et pour imager les dimensions de cet axe, on peut dire qu'il représente l'équivalent du diamètre d'un cheveu. Donc on peut imaginer que cet axe, au moindre choc, puisse céder. Je dirais que le rôle de l'antichoc est de venir protéger cet axe. Alors les opératrices au sein de l'assemblage manuel par rapport aux antichocs reçoivent les pièces en quatre composants. Le support de l'antichoc, le chaton monté, le contre-pivot et la lyre ou ressort. Dans un premier temps, on vient mettre le chaton monté dans le support, on vient mettre le contre-pivot sur le chaton et pour finir, venir clipser la lyre, ce qui garantira la tenue de tout. Alors le but de la lyre, c'est si jamais la montre venait à tomber par terre ou à être tapée quelque part, la lyre est prévue pour absorber le choc dans la limite du raisonnable, d'où le nom anti-choc. Ces pièces sont fabriquées sur des commandes numériques qu'on appelle des décolteuses. On vient charger la machine avec la barre de matière et après ces différents outils qui sont programmés pour venir usiner cette pièce. Alors Kif aujourd'hui emploie 180 employés répartis sur deux sites de production, donc le site principal qui est sur le sentier et un deuxième site que nous avons ouvert en 2018 qui est basé au Brassu, avec probablement dans les prochaines années quelques évolutions pour augmenter encore le nombre des employés. Maintenant, on peut dire qu'il y a à peu près une trentaine de métiers chez Kif qui sont différents et qui nous permettent ainsi de pouvoir équiper nos clients de toutes sortes de composants. Alors ce qui me plaît vraiment dans mon métier, c'est vraiment cet esprit de précision et de garantir une précision telle que les montres ne prennent pas de retard ni d'avance et qu'on a des garde-temps qui soient parfaitement à l'heure. En termes de pièces et de production, aujourd'hui, on a à peu près 20 clients qui sont les principaux. Si on prend la totalité du panel de nos clients, ça représente environ 100 clients. Nous produisons aux alentours de 90 millions de pièces par an qui sont destinées à différentes applications dans le mouvement avec une grosse activité visserie mouvement qui représente déjà à elle seule quelques dizaines de millions de pièces. On œuvre aussi pour développer notre activité dans d'autres secteurs, notamment une branche médicale qui commence à s'ouvrir. Et puis, on est très actif dans la recherche et le développement autour de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux qui devraient aussi nous conduire à continuer notre croissance dans le domaine de l'horlogerie, mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, dans d'autres domaines et probablement celui du médical. Alors après ce premier trimestre, le carnet de commandes est relativement chargé. Le premier trimestre est relativement bon, voire même très bon. Donc pour cette année 2021, je dirais que les ambitions sont plutôt positives. Et donc on espère que la vraie reprise va pouvoir s'amorcer à partir du deuxième semestre 2021, ce qui pourra nous laisser espérer une année 2022 sous les meilleurs auspices.